Il y a 4 ou 5 mois, j'ai sorti une vidéo sur YouTube présentant mon meilleur achat sur Vinted et c'était une Air Jordan 1 Low pour ne pas changer, mais en rapport avec un artiste que j'adore, Travis Scott. La vidéo vous a plutôt plu parce qu'elle a dépassé les 15 000 vues, elle avait pété au moment de la sortie. Et ça n'a pas changé, vous l'avez vu la semaine dernière, je suis toujours aussi friand des produits de Travis Scott, mais aussi des paires. Et ma petite passion pour chercher les grosses paires à des prix un petit peu baissés n'a toujours pas changé. Donc comme tous les soirs, vers 23h minuit, je vais sur Vinted, je vais regarder les petites paires. Et puis souvent, bah, je trouve quelque chose qui m'intéresse. Et aujourd'hui, je reviens avec une paire qui est, selon moi, une des meilleures paires de Travis Scott, et si vous voyez la boîte, vous savez de quelle paire je parle. Et sans plus tarder, je vais parler tout de suite de la boîte, parce que justement, il y a plein de trucs qui sont stylés là-dessus, avec cette couleur jaune vanille et un petit bleu en relief dessus, le logo Cactus Jack et le fameux bonhomme qu'il a créé à son effigie juste ici, et on a un petit Cactus Jack ici écrit sur une genre de vitre un petit peu transparente, en russe, mais il faut absolument que je vous montre la paire avant de vous expliquer tout ça. Je suis très heureux d'avoir la paire, ça fait un petit moment que je l'ai d'ailleurs, et j'en ai pas fait l'unboxing parce que j'en avais pas forcément le temps, etc. Mais là, on a en notre possession, pour moi, l'une des meilleures collabs de Travis Scott avec Nike. Je parle bien évidemment de la Air Force One Travis Scott. Je sais pas comment c'est, Cactus Jack, Fossil, je sais pas quel est vraiment le nom, mais cette paire est une dinguerie. Donc, j'ai entre mes mains, selon moi, l'une des meilleures collabs de Travis Scott avec Nike parce que ce que je vais vous expliquer juste après. Mais avant toute chose, je vous parle de comment j'ai copé ça. J'ai été sur Vinted, j'ai digué un petit peu, j'ai été voir comment ça se passait, comme les reels versus fake, pour voir sur quel spot on pouvait voir les différences et comment savoir si la paire était vraie ou non. Et bien évidemment, j'ai fait les G-Check cette paire sur l'application Check Check App. J'en ai fait une vidéo, vous pouvez aller voir. Oui, ce sont des G-Check payants, mais moi je trouve que ça reste toujours intéressant d'avoir un avis, en plus des avis extérieurs qu'on peut se fonder sur Twitter, Instagram, etc. D'avoir un truc, une application qui est dédiée à cela, et j'en reparlerai sûrement à la fin de l'année 2021. Donc j'ai parlé au gars, j'ai fait les G-Check la paire, il l'a envoyé chez moi, il n'y a eu aucun problème, et encore merci à toi d'avoir double box, etc. N'oubliez pas les vendeurs Vinted, toujours double box sur les paires. Et puis, j'ai reçu la paire, j'ai repassé sur Check Check App, et la paire était mienne. Le lendemain, je l'ai mis, j'ai fait une vidéo avec, vous l'avez sûrement pas vu parce qu'elle s'est fait ghoster, mais ça c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis très heureux d'avoir en ma possession la Air Force One Low Travis Scott Fossil Cactus Jack, je ne sais pas le nom, mais cette paire est une dinguerie parce qu'elle a tellement de choses dessus, mais ça rend tellement bien. Et puis le travail qui a été fait dessus est exceptionnel. Donc je vous ai fait une petite review de la box juste ici, et maintenant je vais vous parler de la paire qui est selon moi exceptionnelle. Et commençons par la toe box. Toe box en cuir, et de toute façon je vous le montre sur les plans. Bon, elle est un petit peu portée, donc ça c'est pas un souci, mais vous voyez comment ça rend maintenant usé. Toe box en cuir qui est très stylée. Et puis sur cette toe box, on a plusieurs matériaux qui sont mis. Alors, on a sur le côté du canvas, il me semble, bleu. On a sur l'avant du suède. Et sur le côté, vous connaissez mon amour pour le corduroy ou le velours côtelé avec la chaîne aux spoons. Et bien c'est pareil pour ici, avec du marron. Et puis sur le côté, alors on a une différence sur le côté extérieur et intérieur. Pour commencer par le côté extérieur, on a de la laine. Alors je sais pas si c'est vraiment de la laine, si c'est de la toile. En tout cas, on a de la toile violette ou laine violette, ou sur le côté une partie en violet avec écrit Cactus Jack Record en russe, qui est le même qui est sur la boîte. On a également ici du je sais pas quelle couleur c'est, on dirait du jaune. Ouais, c'est la même matière, mais ça a l'air d'être un petit peu du jaune jaune or, en tout cas, qui est pareil avec le Cactus Jack. Et on a pareil juste à l'arrière, je crois que c'est encore la même matière, mais on a la même chose avec des formes d'arbres. Alors il me semble que c'est des arbres si je dis pas de bêtises. Et on a ce petit Nike en or, mais à l'intérieur qui est très stylé. On a le swoosh en camo, on a du retour du velours côtelé et de la laine, ou je sais pas trop la matière, en vert et en bleu avec le Cactus Jack Record écrit en russe. Et c'est très stylé parce que la paire est très balancée. Alors on pourrait croire que ça fait un petit peu n'importe quoi, mais moi je trouve que la paire est très stylée. Ça rappelle la forêt, et c'est un petit peu l'inspiration qu'il a eu sur cette paire, il me semble, parce que il était en forêt ou dans la nature avec sa grand-mère lorsqu'il était jeune, et c'est pourquoi il s'est inspiré pour la paire. Très cool, je trouve la paire exceptionnelle. Et on a encore un petit peu de différence au niveau des aglets, avec du suède un petit peu différent de celui qu'il y a devant, du suède doux au niveau des aglets, du suède qui est le même que sur l'avant avec le mini swoosh à l'avant, et vous savez mon amour pour les mini swoosh, et du cuir bleu juste en haut. Et on a même du alors je sais pas comment ça s'appelle, mais je crois que c'est justement de la laine, et comme utilisé sur les flanelles ou les chemises, sur la languette, qui est incroyable. Et à l'arrière, on a également de la laine. Donc voilà, et donc c'était un petit peu compliqué de vous expliquer tout ça. J'espère que sur les plans ça rendra bien et ce sera pas trop fouillis, mais voilà, on a du cuir, du suède, du corduroy, donc du velours côtelé, il y a tout, de la laine, il y a tout, et c'est exceptionnellement bien
mis ensemble. Et on a également des petites différences sur les deux paires, parce qu'à l'arrière, on a, vous voyez, il y a des petits boutons poussoirs avec, je sais pas comment on peut appeler ça, une petite sangle. D'un côté, il y a écrit TX, donc pour Texas, et vous savez qu'il vient de Houston. Et de l'autre côté, on a écrit MC, Michigan City, il me semble que c'est l'endroit où sa grand-mère vivait, ou alors quand il allait quand il était jeune. Donc c'est un rapport entre des villes dans lesquelles il a vécu. Et pour parler de la semelle, ce qui est très très cool, c'est que toutes les petites coutures sont faites avec un fil vert bleu qui rend plutôt cool. La semelle un petit peu jaunie, donc la semelle intermédiaire. Et on a une fameuse gum sole, et ça pour moi c'est incroyable. Toujours efficace, quel que soit le coloris. Donc voilà, là on a une petite paire qui est exceptionnelle, et elle vient avec trois paires de lacets. Un lacet, je crois que c'est sail, si je dis pas de bêtises, donc un peu couleur os. Des lacets noirs et des lacets marron. Les lacets marron mauve sont très très stylés, mais moi je trouve qu'avec cette couleur là ça rend le mieux. Et on a également ce qui vient, bah, c'était un petit peu le point difficile sur cette paire, je sais pas comment on peut appeler ça, quelque chose qui se mettait justement sur la paire au-dessus. Moi je trouve que ça fait plutôt cool, mais je préfère sans ça. Et je sais que c'est très compliqué à remettre si vous jamais vous l'enlevez ou que vous l'avez pas eu à la base lorsque vous avez acheté la paire. Donc voilà. Et je comprends que des personnes veulent laisser aussi le produit de façon authentique lorsque ça arrive, mais je sais que c'est une galère à remettre, donc moi je ne le remettrai pas. Et je trouve que l'Air Force One comme ceci est exceptionnel. Bon voilà, on a fini avec la présentation de la paire. C'était très long, c'est la première fois que je prends autant de temps pour en parler. J'espère que ça n'a pas été trop fouillis, mais je suis extrêmement fan de cette paire parce que on a l'impression, alors je sais pas si c'est vraiment dans le temps très 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 bon, après c'est une paire de 2019, ça fait donc 2 ou 3 ans que la paire est sortie, et je trouve que bah moi je m'en sers assez souvent, hein. Je la mets au moins 3-4 fois par mois, à la différence d'autres paires que je mets presque une fois tous les 3 mois, et la paire tient bien. J'ai l'impression que la paire va tenir très longtemps, et ça me fait extrêmement plaisir. Alors peut-être que c'est en rapport aussi avec la Force One et cette énorme semelle qui peut permettre aussi ça. Il y a des petites traces d'usure, mais ça c'est pas un souci, on a déjà perdu quelques étoiles sur la semelle, mais j'ai l'impression que les matériaux utilisés sont qualitatifs, j'ai l'impression que les matériaux utilisés vont durer dans le temps, et je crois que c'était le but lorsque Travis Scott a sorti la paire, et je suis très très heureux d'avoir cette paire, parce que à la différence d'une paire que John Witherspoon a sorti avec le modèle ZX8000, où on avait l'impression que c'était le bordel, là, il y a une utilisation de beaucoup de matériaux, il y a des couleurs qui sont très différentes, et justement, je trouve que ça rend extrêmement bien. Alors c'est une tonalité un petit peu automne avec du orange, du foncé, du marron, etc. Et ça va très bien à Travis, mais je trouve que ça rend extrêmement bien. Et honnêtement, je vais le dire, je pense que c'est l'une de mes paires favorites de ma collection. Et selon moi, une des meilleures collabs de Travis, parce que il y a un vrai travail dessus. Alors est-ce que c'est lui qui l'a vraiment fait, je ne sais pas, mais je trouve que le travail est exceptionnellement bien réalisé dessus. Je trouve que la paire rend extrêmement bien. Elle est pas très chère en plus, donc c'est peut-être pour ça aussi que moi je trouve, enfin pas très chère entre grosses guillemets par rapport aux autres collabs. Il y a un travail sur la Air Force One, elle n'est pas totalement modifiée, mais en tout cas, il y a un gros patchwork qui a été utilisé là-dessus, et je suis très très fan de la paire. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je suis amoureux de cette paire. Si je pouvais la mettre tous les jours, et même si je pouvais la doubler, je pense que je le ferais avec grand plaisir, parce que c'est une paire que j'adore. À la différence de la première Air Force One qui est très très cool, il y a un petit peu moins de travail sur l'autre Air Force One, parce que c'est une utilisation plus d'un coloris, même si avec les couleurs roses, etc. Mais il y a des bas. Mais là, je trouve que la paire est exceptionnelle. De toute façon, je vais vous mettre des petits plans là, en même temps que je parle, de la paire portée avec un cargo, avec un jogging, et vous me direz ce que vous en pensez, mais j'aimerais avoir votre avis sur cette paire, parce que, honnêtement, est-ce que ce ne serait pas la meilleure collab de Travis? Alors, ça vient débattre avec les Jordan 1, je suis d'accord avec vous, ça vient débattre aussi avec la Dunk, qui est exceptionnelle aussi, et j'aimerais bien l'avoir entre mes mains un jour, ce serait peut-être cool aussi de vous la présenter, mais je trouve que cette paire, elle est, entre guillemets, abordable par rapport aux autres Travis qui sont sortis, elle est très belle, elle va avec pratiquement tout. Si vous mettez un petit cargo noir, un petit jean noir, ça passe vraiment crème, je pense, peut-être même avec un jean ça peut passer parce qu'il y a beaucoup de couleurs, etc. Vous mettez un petit flanel en haut, vous mettez dans vos AirPods votre meilleur son de Travis que vous préférez, et je vous jure que vous passez une journée incroyable. Même si le seul petit défaut, moi, c'était le camo qui était utilisé sur le swoosh à l'intérieur, que j'aimais pas trop, mais ça vient en fait se camoufler, bah ça c'est bien utilisé, ça vient se camoufler avec tout l'intérieur, et ça ne ressort pas comme un truc kitsch et un petit peu à l'ancienne que j'aime pas trop moi de mon côté. Mais voilà, je trouve que la paire est incroyable et j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. Et en plus de ça, j'ai eu un petit prix et j'ai fait plaisir à quelqu'un sur la seconde main, etc. Moi je suis très heureux. Je rappelle qu'il faut faire très attention lorsque vous achetez sur Vinted, Grail, Bump, n'importe quel site de revente. Faites attention, il y a beaucoup de contrefaçons qui sont mises sur internet. Je dis pas que les Check App est la meilleure application du monde, mais vous pouvez vous en servir pour vous aider. N'hésitez pas même à m'envoyer des DM sur Instagram pour que je vous aide si jamais j'ai la perche. Ça me dérange pas du tout de vous envoyer la mienne. Ça me dérange pas du tout sur Twitter si vous m'envoyez quelque chose, je vous envoie tout ça. Donc voilà. Essayez un maximum d'être sûr lorsque vous achetez des paires. Et si jamais vous avez vraiment peur des sites de revente de seconde main, etc., n'hésitez pas. Dans la description, je vous ai mis des sites où il y a des... Normalement, il n'y a pas de soucis sur ces sites-là. Et puis, ce sera très bien comme ça. Donc voilà, n'hésitez
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez justement de la paire en commentaire, ou de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de vous parler des achats que je fais, et surtout ça, parce que là c'est une paire vraiment gros coup de cœur. Je pense que c'est l'une de mes paires préférées de ma collection. La chaîne, là je me suis un petit peu séparé d'elle, je l'ai mise un petit peu à l'écart de moi, je ne la vois plus tous les jours, donc quand je la reverrai, je l'apprécierai encore plus. Mais ça, c'est une paire incroyable, et si vraiment je pouvais la doubler, je pense que je le ferais. Donc comme j'ai dit, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo et à me le dire dans les commentaires, et de bien évidemment débattre de la paire avec moi ou avec d'autres personnes dans les commentaires, ça peut être très cool. C'est fait pour ça, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous bien évidemment à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos qui sortiront, il y a toujours du lourd qui arrive. Et si vous aimez Travis, vous savez qu'un jour il y aura une dinguerie qui va repop sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi à 18h pour une nouvelle vidéo. Et puis moi je pense que je vais rock la paire tout l'été, pas quand il pleut parce que j'ai un petit peu peur de la pluie. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.